tout le monde. Bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un petit blabla. Les enfants ont repris le chemin de l'école. Ah, ça veut dire que je peux réinvestir mon salon et filmer sur ma table de salle à manger, là où j'ai mes grandes toiles, on va dire, en cours. Enfin, j'en ai trois en cours, mais j'en ai rangé une le temps du défi de celle-ci. Et j'ai toujours ma Auraloa. Du coup, j'avance pas trop puisque j'ai mis un coup de carbure sur le défi. Du coup, je vous montre un peu la Auraloa où j'en suis. Bah, j'ai fait qu'une bande. Voilà, je commence à peine la bande du dessous. Donc, on voit bien comment l'image va se révéler hein, avec les couleurs. C'est la petite cœur en fleurs. Et encore, je trouve que c'est beaucoup moins lumineux à la caméra qu'en réel. Vachement plus lumineux la caméra en vrai. Les abeilles sont magnifiques. Les couleurs le sont tout autant là, tous ces pêches rosées. J'adore. Par contre, c'est très confetti, hein. C'est très très confetti. Je passe beaucoup de temps pour vous dire. Je sais plus, je crois que c'était par là. J'avais compté un petit carré de 15 diamants à poser. Et dans ces 15 diamants, j'avais 9 DMC différentes. Donc, c'est un peu épuisant. Je passe beaucoup de temps à vérifier que j'ai pas oublié un symbole. Et le fond, comment il est blindé d'abbé, ça va vraiment bien rendre. Je vais vous reposer pendant que je continue mon autre DP. Alors, hop, l'autre DP, c'est celui-ci. Il n'est pas dans le bon sens. C'est le bordel sur ma table. C'est la... Home Fun que j'avais unboxé, je ne sais pas si vous vous souvenez, avec toutes les glaces. Alors, où est-ce qu'elle est? Et j'en fais un... Je m'en sers pour le défi. Voilà, c'est celle-ci. Hop. Et je m'en sers donc pour le défi multicouleur de Clara Dépée sur son groupe qui s'appelle le groupe Facebook. Que je vous dise pas de bêtises. Nos passions sans pression. Voilà. Et donc, dans ce groupe, il y a l'accès à ce défi. Et franchement, la toile s'y prête tellement, vu le nombre de couleurs, que, enfin, vu la diversité des couleurs plutôt, que je me suis fait plaisir à faire le défi avec cette toile. Du coup, bah, c'est vrai que je suis pas mal dessus et pas trop sur les autres. Mais bon, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, donc pour revenir à la Auraloa pendant que j'avance, je vais faire quoi? Je vais faire le plus. Pour revenir à la Auraloa, ouais, donc c'est vachement confetti sur les parties visage, enfin même le fond, hein. Enfin, certaines parties du fond, j'ai pas trop de blocs. Alors, je passe un temps fou à changer de couleur, à vérifier que j'ai pas oublié de symbole, mais évidemment j'en oublie tout le temps, hein, ça c'est évident. Je range la couleur et 3 secondes après, ah, il en reste! Il faut y retourner. À savoir pour cette cœur en fleurs de chez Auraloa quand même. Je ne sais pas si ceux qui ont regardé le unboxing se souviennent. Mais quand j'ai ouvert le carton, j'ai vu qu'il n'y avait que 3 AB. Alors que sur leur site, quand j'avais passé commande, il était indiqué 5 AB. Il me semble qu'il est toujours indiqué 5 AB. Donc je voulais vous dire tout de même pour info que... J'ai du coup écrit au service client Auraloa. D'ailleurs, ils sont toujours aussi réactifs, hein, ils répondent très très vite. Et j'ai échangé avec eux pas mal de mails sur cette question. Donc la première réponse qui m'a été fournie, c'est « Ah, mais il faut savoir que vous avez la version 1 de Cœur en fleurs. » Ce qui explique la différence. Je dis « Ah non, attendez, j'ai fait très attention justement en commandant à prendre une version 2. » Donc, je veux une version 2, quoi. Donc, de là, je pense qu'ils doutent un petit peu du fait que j'ai une version 1. Ils me demandent de leur envoyer en photo la table des matières, là, sur le côté de la toile, et l'étiquette présente sur le carton, où on a aussi la référence de la toile. Donc, je leur envoie, et ils me répondent que là, j'ai une toute nouvelle version de Cœur en fleurs, qui est... Alors du coup, ce qui voudrait dire un genre de version 3, on va dire.
même si ce ne sera pas appelé comme ça, hein, et que les 3 AB, c'est tout à fait normal. Donc voilà. J'ai insisté, hein, parce que j'avais un peu peur, sur le coup, je vous dis la vérité, j'avais un petit peu peur que on... pas qu'on m'arnaque, mais genre... comment dire... Bah, que j'ai effectivement une version 1 et que pour pas s'embêter avec des retours de colis et des renvois de toile, etc., on me dise que j'ai une dernière version. Et en fait, ce qui m'a fait douter, c'est que dans son mail, il me dit « Vous avez la toute dernière version », il me dit « Je vais faire remonter l'info pour que... bah, pour que le descriptif sur le site soit aussi changé. » Comme quoi, c'est 3 AB et pas 5. Et au final, c'est toujours pas changé. C'est toujours marqué 5 sur le site. Donc, j'ai un peu fait ma casse-pied, hein, ma grosse relou par mail. Je leur ai réécrit. Je leur ai dit, écoutez, est-ce que vous êtes bien certain que j'ai une version 2? Parce que j'ai une toute petite chaîne YouTube. Je vais forcément, à un moment donné, parler de cette toile. Soit quand je l'ai finie, soit quand je suis en train de la faire. Et je ne veux pas dire de bêtises, quoi. Soit je leur dis que j'ai une version 2, soit... enfin bref, je veux leur dire ce que j'ai. Je veux pas... Et donc, non, ils ont confirmé que j'avais bien. Et je pense qu'ils n'auraient pas aucun intérêt à me mentir, pour le coup. Ils m'ont confirmé que j'avais bien la toute dernière version de leur cœur en fleurs. Donc voilà, 3 AB, mais a priori beaucoup, beaucoup dans le fond. Donc 3 AB, mais en grosse quantité. Et moi, ça me va pas trop mal. Je les trouve vraiment jolies, quoi. Vraiment très jolies. Voilà. Ouais, donc elle est un peu longue à réaliser, cette cœur en fleurs. Bon, après, je l'ai laissée tomber, là. Mais du coup, elle est vraiment trop belle. J'adore la faire. Et pourtant, je suis pas diamant rond, moi. Hein. Ah! Ah! Ouais, alors... cette petite toile de chez Home Fun, diamant carré, donc c'est des diamants en résine, ils sont vachement bien. J'ai rien à dire, si ce n'est qu'il y a quand même pas mal de déchets et que Home Fun n'est pas réputé pour être généreux. J'ai un peu peur d'avoir des manques. J'espère que je ne vais pas... Pff, je suis nulle. J'espère que je ne vais pas trop manquer. Qu'est-ce que vous voyez, vous? Ah ouais, vous avez la barquette en gros plan, c'est pas terrible. Qu'est-ce que je peux faire mieux ou pas? Bof. Ouais, bon bref, de toute façon, vous avez le nez sur votre DP, vous aussi, normalement. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, donc cet homme fait, regardez déjà tous les... Pourtant, je j'ai pas fait énormément de la toile, hein. Il y a quand même pas mal de déchets là. C'est pas mal de diamants troués ou avec des trucs qui dépassent là, ce qui fait que j'arrive pas à les poser bien collés. Et je supporte pas ça. Donc voilà. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Bah, vous avez vu mon dernier craquage de chez Fancel. J'attends un colis de chez GBFKE qui devrait pas trop tarder normalement. Donc, je ferai l'unboxing dès qu'il sera là. Et Fancel, je ne sais pas si je démarre tout de suite une toile en... Comment dire, en strass. J'ai bien envie quand même. J'ai pas envie d'attendre de finir une grande toile parce que... Le problème, c'est que j'ai toujours ma cupcake là-haut. De chez Spell Queen. J'ai la petite cupcake. J'ai donc en bas... celle-ci est la cœur en fleurs qui reste sur la table quasiment tout le temps. J'en connais un qui râle. Donc là, si je commence à sortir un autre truc avec encore un autre rangement, et même si la toile, elle est petite, bon là, vous me direz, je peux la laisser dans ma chambre, là. Mais j'ai envie de démarrer une... Ah ! J'ai envie de démarrer une... Une strass, ouais. J'ai vraiment envie. J'ai fini le plus, là. Ouais. Ouais. Donc, je pense que je vais commencer la... Celle qui est arrivée froissée, là, avec les fleurs. Celle que je veux mettre dans ma couverture de lutin. Je pense que je vais démarrer celle-ci. Alors, par contre, j'ai commandé un autre truc qui n'est pas du DP. Ça me titille depuis un moment, là, à force de voir les vidéos. Enfin, c'est... C'est les points de croix. Attendez, je me lance sur un autre symbole déjà. Qu'est-ce que je fais?
C'est pas mal confetti Home Fun, hein. Je sais pas si elles sont toutes comme ça, mais j'ai démarré une autre toile Home Fun avant de basculer sur celle-ci. Parce que, en fait, à la base, j'avais commencé une autre toile de chez Home Fun. Mais quand j'ai reçu celle-ci après et que j'ai vu le nombre de couleurs et tout, je me suis dit non, mais celle-là, elle est trop bien pour le défi, comme ça, je le fais. Donc, j'ai mis de côté l'autre que j'avais démarré, je reviens sur celle-ci. Mais déjà, l'autre, en la démarrant, c'était, je trouvais vachement confetti, quoi. Même dans ce qui paraît normalement être de l'aplat de couleurs sur le dessin, bah eux, ils en font des confettis, quoi. Bah, il y avait un fond bleu, ils m'ont mis trois bleus dedans, ou trois ou quatre bleus dedans, je crois. Alors, je sais pas. Je sais pas si c'est tout le temps comme ça avec Home Fun, ou si là, c'est mes dessins qui s'y prêtent. Bon, j'ai toujours pas choisi de couleur. Qu'est-ce que je prends? Allez, ça. Voilà, sinon, il y a quelques petites vacheries de symboles quand même, hein. Quelques petites vacheries, est-ce que je vais pouvoir vous montrer? Voilà, c'est pas flagrant parce que... Ah ouais. Alors là, il n'y en a pas énormément, mais regardez, attendez, je vais vous montrer. Hop. Il est où mon aimant? Je l'ai perdu. Ah non, mais j'ai trois. Regardez. Alors, le dièse, à côté de ce truc-là, très sincèrement, sur des zones où c'est parfois un peu abîmé parce que j'ai des rivières et que je gratte avec le cutter pour virer les rivières, il y a un moment, enfin j'avais à un moment donné une zone avec un aplat de ça, de dièse et de Y barré là, et je peinais un peu à faire la différence entre les deux, très sincèrement. J'ai aussi qui me pose problème dans les roses, il me semble. Hein. Hop, voilà. Le symbole livre mélangé au symbole et, mais avec le même rose dans la case. Et franchement, ça m'embrouille un peu. Et encore là, c'est pareil, ça va. Il n'y a pas trop de grosses zones à faire. Mais vous voyez, toute la zone d'à côté, c'en était. Et j'ai un peu galéré, très franchement. Voilà. Donc, faut pas être trop fatigué, quoi. Hein. Sinon, c'est un coup à déballer toutes les 3 secondes ces couleurs parce qu'on en a oublié un ou deux, quoi. Bon, je pense que je vais pas réussir à vous remettre ça, c'est quasiment sûr même. Je m'excuse. Attendez. Hop. Voilà, sinon, bah, donc on a repris l'école ce matin, les enfants, mes deux collégiens au collège, ma petite dans son CE2, avec encore un changement d'enseignant. Mais juste le quatrième ou le cinquième de l'année. C'est très compliqué cette année pour elle. Et moi, j'ai repris le chemin du boulot aussi. Mais là, c'est ma petite pause déj. Et comme ils ne sont pas là, et ben, je peux vous faire des vidéos. Ça, c'est cool. Il faut bien qu'il y ait un point positif à la rentrée, quoi. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, donc du coup, bah, cette toile de chez Home Fun, moi j'en suis contente, mais vraiment le papier opaque, là, le double face, c'est pas pour moi. Enfin, franchement, dès que je découvre un carré, le premier truc à faire, il faut que je fasse mes rayures là au cutter pour virer les rivières. J'aime pas ça du tout. Et quand bien même je le fais correctement et je replaque bien la colle avec la réglette et tout, je trouve que ça finit par regonfler et refaire une épaisseur. Donc ça me... Ouais non, c'est... Franchement, Home Fun, il leur manque la colle coulée, un peu de rab, un sachet ou deux de rab selon les quantités, et ça serait vraiment, vraiment parfait, quoi. Enfin, presque parfait, mais très sincèrement, les diamants, ils sont cool, hein. Ça s'emboîte et tout, moi j'aime bien. J'aime bien la pose Home Fun, en tout cas. Je voulais aussi vous faire un petit point sur mes lectures, même si j'ai pas lu grand-chose. C'est un peu glauque. J'ai fini 8 battements d'ailes. Je n'ai plus le livre, je ne peux pas vous le remontrer, je l'ai vendu.
Les nouveautés, elles se vendent assez bien sur Vinted en grand format. Donc, puis moi, ça me permet de me reprendre un poche, ou en tout cas, c'est comme si la nouveauté m'avait coûté le prix d'un poche, donc c'est plutôt cool. J'ai vachement aimé. Ouais, j'ai vachement aimé cette histoire. Comme je vous avais dit, c'est un, on va dire, un destin croisé de 8 femmes et qui ont toutes une particularité dans leur histoire, hein. Et puis, ben, à un moment donné, il y a le lien qui se fait. Enfin, c'est voilà. C'est un sujet malheureusement d'actualité, hein. On va parler de violence. C'est pas un spoil de vous le dire. Et non, l'histoire, elle était vraiment très très chouette, quoi. Et je pense que je l'aurais encore plus adorée si j'avais pas été en pleine crise de DP. Parce que du coup, j'ai mis un temps fou à le lire. Et forcément, quand on fractionne autant à ces petits bouquins, bon, je suis pas sûre qu'on l'apprécie à sa juste valeur. Vous savez, c'est comme les séries télé que vous pouvez pas, quand vous pouvez pas enchaîner les épisodes. Enfin, je sais pas vous, mais moi, je suis pas du tout à fond dans une série que je peux pas enchaîner. Genre les Outlander, là, j'attends clairement qu'il y ait plusieurs épisodes avant de me faire la saison, parce que moi, m'en faire un par semaine, c'est le meilleur moyen pour que je lâche la série, quoi. Tu vas te mettre, toi. Donc voilà, donc bah, puisqu'on parle d'Outlander, je suis fan, hein, je suis ultra fan, j'ai lu les livres, j'ai regardé au moins 2 ou 3 fois la série, mais la nouvelle saison, j'ai encore rien vu, alors chut, hein. J'ai rien vu de la nouvelle saison, bon, après vous allez me dire que j'ai lu le bouquin, mais il y a quand même quelques différences. J'ai déjà fini là? Ah, j'ai plus de batterie, mince, attendez, il faut que je vous branche. Alors, je fais pause, je reviens. Voilà, pardon, excusez-moi pour l'interruption. Je ne sais plus du tout ce que je disais, mais en branchant, je me suis souvenu que du coup, j'ai parlé de point de croix et que je n'ai pas du tout développé. Ouais, donc je disais qu'à force de voir les vidéos, notamment ben, Clara DP, elle a fait pas mal. Il y a eu quelques petites sorties point de croix sur sa chaîne, et puis aussi Adèle de la chaîne Jolie DP. Et Adèle a fini par me faire craquer, quoi. Donc j'ai acheté quelques petits points de croix, ils sont pas très grands en dimension. Alors moi le point de croix, la dernière fois que j'en ai fait, je crois que j'étais jeune adulte, voire adolescente même. C'était du point de croix compté, c'était laborieux, c'était compliqué, c'était des grands formats, on n'en voyait pas la fin. Donc je me dis que là j'ai pris de la toile imprimée. Ah mais n'importe quoi, il m'en reste plein à faire. Pff. Oh là là, je vous parle, je ne suis pas concentrée. Là, c'est la toile imprimée. Et ouais, je sais pas, je me dis. Et en même temps, je me dis, mais qu'est-ce que tu vas faire là? Déjà que tu n'arrives pas à lâcher ton DP, tu n'ouvres plus un seul livre. Qu'est-ce que tu vas t'embêter avec du point de croix par-dessus, quoi? Bah, je sais pas, j'ai envie d'essayer. Faut varier les plaisirs, hein. Donc voilà. Je ne sais pas si ça vous intéresse que je vous montre le point de croix quand il arrive et quand je le démarre. Est-ce que ça vous dit ou pas? Sachant que moi, je vais. Pour moi, c'est vraiment un démarrage à zéro, quoi. Je pars du principe que je suis débutante, même si j'en ai déjà fait. De toute façon, à part le point de croix, je ne sais rien faire. Donc, même le point arrière, enfin, le point là, je ne sais pas comment ils appellent ça, le backstitch. Oui, bah oui, le point arrière. Je ne sais pas faire. Même ça ne va pas être très compliqué. Je pense que c'est des contours. Ça ne va pas être très compliqué, mais. Voilà. Qu'est-ce qu'on prend comme symbole? Allez, le Y. Donc voilà ce qui arrive avec aussi une petite commande, comme je vous l'ai dit, GBFKE, qui sera l'objet de mon déballage de la honte numéro 2. Et puis bah sinon, sinon bah, il y a eu du craquage chez comment s'appelle chez DAC. Ouais. Alors, Dak, il y a eu les toiles anniversaire. Il y en a deux qui me plaisaient énormément. Et puis, ces petits malins, ils en ont gardé sous le coude, hein. Ah ouais. Très sincèrement, en plus, si j'avais pas. Enfin, si j'avais eu tous les visuels, c'est-à-dire les illustrations pour l'anniversaire et ce qui arrivait après, il y a une toile pour l'anniversaire que j'aurais pas pris, je pense. Bon. Mais bon, là j'ai recraqué sur une des dernières là, avec la flûte traversière. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Petal Falls, un truc comme ça.
Elle est sublime, sublime, une image sublime. Par contre, là, pour le coup, ça va être une vraie nappe, ma première vraie nappe, je pense, parce qu'on est à... Attendez que je vous dise. Ah, j'ai pas noté le format, je crois. Non, j'ai pas noté le format. Je crois qu'elle fait 1,10 m ou un truc comme ça de long. Je cherche les Y, j'en vois plus. Puis quand je vais ranger, je vais en retrouver. Non, j'en vois plus. Donc ouais, je sais plus de quoi je parlais. Je crois que je parlais de lecture, hein. Ah oui, à Outlander. Oh, le bazar, encore une fois, là. C'est trop le bordel dans ma tête. C'est trop, c'est trop, c'est trop. En plus, avec la reprise, j'ai tellement mal dormi. J'avais pris un mauvais rythme pendant les vacances. Je me couchais hyper tard. Et ce matin, ça a piqué le réveil, hein. Ça a piqué sévère. Du coup, là, j'ai le dernier de chez dernier livre de chez Martin Lugan, La Déraison. Voilà, La Déraison d'Agnès Martin Lugan, je l'ai acheté. Apparemment, il est vraiment, vraiment chouette. Bon, j'ai un peu peur, hein, je pense que je vais pleurer ma race, mais bon, c'est comme ça. Je l'ai pas commencé non plus, mais de toute façon, j'arrive pas à lâcher mes petits carrés là. Je n'y arrive pas. Ouais, j'y arrive pas. Bon, on va peut-être se décider, non? Allez, le 8. J'ai toujours en cours la saga de l'Assassin Royal de Robin Hobb en audio, que je prends chez Audible, parce que j'ai un abonnement Audible. Et vraiment, enfin, je ne sais pas, s'il y en a qui veulent se lancer dans cette saga et qui ont un doute, parce que c'est quand même 12 tomes. Voilà, c'est des tonnes et des tonnes de pages à lire. Le narrateur sur Audible, c'est Monsieur Agaès, je crois que c'est son nom de famille. Julien Agaès, un truc comme ça. Mais il est incroyable, ce gars. Il est incroyable. Mince. Faut que j'arrête de faire sauter les diamants Home Fun. Il n'y a pas de rap chez Home Fun. J'en perds, je sais pas combien. Voilà, je sais pas où il est, lui. Ouais, le narrateur de l'Assassin Royal, il est incroyable. Oh, mais moi, je suis à fond, je vis le truc et tout. Oh là là, c'est vraiment, vraiment génial. Alors que je pense sincèrement qu'en papier, j'aurais galéré. J'aurais galéré parce que c'est quand même une saga, c'est la fantasy médiévale adulte. C'est assez intense au niveau. Enfin, je sais pas comment expliquer. En plus, l'auteur, elle est. Tu sens là. Merde. Oui, c'est rien, mon chien. Hein. J'ai fait sursauter le chien. Eh, mais en plus, je viens de dire, il n'y a pas de rap chez Home Fun. Oh, j'ai des dizaines de diamants par terre. Bon, je verrai ça après. Oh la vache. Oh la Pierre Richard, quoi. Ah là là. Attendez, je ramasse ce que je peux. Bah en fait, j'ai le trépied du téléphone là où je pose mon plateau d'habitude. Et là, bah voilà, je me suis fait avoir. Bon, écoute, c'est déjà pas mal. Je verrai bien ce qu'il y a par terre après. Hein, j'essaierai de pas l'aspirer. Bon, donc, je disais que Robin Hobb, l'écrivaine, je ne sais pas, dites-moi, j'ai toujours un doute. De l'Assassin Royal, c'est une femme et elle est incroyable. Et on sent un peu la finesse on sent en fait dans son écriture, dans la façon dont sont étudiés les sentiments et tout. C'est vraiment. Ouais, moi je m'étais dit non, ça marchera pas, c'est pas pour moi. Mais en fait, j'étais à fond quoi. J'étais à fond. Je suis un peu moins à fond depuis qu'il s'est passé un truc, mais je peux pas vous le dire, hein. Mais un truc qui m'a retourné grave. Et depuis, j'ai un peu de mal parce qu'il me manque quelque chose. Mais bon. Mais c'est quand même. Je vais aller au bout. Hein. J'adore. Et puis, je vous dis vraiment, le narrateur, mais il est dingue. Il fait. Enfin, je veux dire. À chaque. Dès qu'il parle, je sais quel personnage il. Quel personnage il. Pas qui joue, mais je sais qui il est en train de lire en fait. Tout de suite, c'est assez fou quoi. Oh, purée, je bégaye. J'ai vraiment pas assez dormi. Hein.
Ouais, j'ai vraiment pas assez dormi. Je crois que j'ai 5 heures de sommeil derrière moi et ça, c'est pas bon avec moi. Ouais. Ben voilà. Alors, du coup, côté DP, je vous ai dit. Il faut... Je termine mon défi. Quand j'ai fini le défi, bon, je termine mon défi en même temps que je fais ma petite oraloi. Quand j'ai fini mon défi, je pense que j'attaque. Je réattaque ma deuxième home fun là, qui est là-haut. C'est la petite fille dans le cerceau, la brunette là, dans le cerceau en bois avec son écureuil, son chien et sa musique. Et voilà, en gros, hein, c'est tout pour aujourd'hui. C'était un petit blabla de rentrée. Et puis, je vous remercie encore beaucoup pour tous vos commentaires hier. C'était top. C'était top. Enfin, hier pour le résultat du concours. Ah si, j'ai encore des petites choses à vous dire. Oh là là, messieurs, ça va pas moi. Ça va pas. J'avais noté des petits trucs, hein. Et puis j'oublie. Je voulais vous dire aussi ce qu'est le retour que j'ai eu de la part du vendeur AliExpress Peter Hen, là, vous savez, concernant la toile avec la sirène et son bébé. Bon, attendez, je choisis une couleur parce que je ne fais rien depuis tout à l'heure. Donc je lui écris en lui disant que j'avais un petit souci, que j'avais quatre références DMC qui n'étaient pas en résine, mais qui étaient en acrylique. Et première réponse de sa part, non, mes diamants sont dans la plus belle résine de Chine. Carrément quoi. Il m'a carrément dit ça. Et je lui dis, écoutez, si, je vous assure, franchement, je suis sûre de moi, donc il n'y a pas de problème. Je vous assure que j'ai quatre références qui ne sont pas en résine. Et là, il me répond de nouveau, mais je crois qu'il attend un petit peu plus longtemps. Il s'est passé un jour ou deux, je crois. Et là, effectivement, il me dit, j'ai demandé à l'atelier, je suis désolée. Effectivement, il manquait des références. Et genre, pour vous expédier le paquet rapidement, bah, ils ont mis l'acrylique, quoi, parce qu'il leur manquait des couleurs. Mais à aucun moment, il me propose de renvoyer le truc, quoi. Ah oui, il rajoute, oui, mais vous inquiétez pas, ce ne sont pas ce ne sont pas quelques références acryliques qui vont changer la beauté du résultat, etc. Bon, ce qui n'est pas tout à fait faux, je me doute bien que ce n'est pas ça qui va métamorphoser ma toile, mais pour le principe, sincèrement, j'aurais apprécié qu'ils me disent, je vous les envoie, quoi. Je vous les renvoie en truc, là, en résine. Mais c'est pas ce qu'il a fait. Bref, de toute façon, je vous dis, hein, comme je disais dans la vidéo, je ne recommanderais pas chez lui. Je vois pas du tout le plus par rapport à Home Fun. Et en plus, il est plus cher, il me semble. Donc non, il n'y a vraiment pas d'intérêt. Voilà. Ça, c'était pour le petit retour sur Peter Rehn. Ah ben ça y est, hein. Je vous ai dit ce que je voulais. Ouais, je m'étais dit que je voulais aussi vous montrer mes lutins dans lesquels je range les toiles, mais comme j'ai pas fait beaucoup de toiles, ben, ils sont un peu vides. Donc c'est un peu nul de vous montrer ça. Mais en tout cas, sachez, parce que je vois beaucoup passer de lutins à trois, de vendeurs AliExpress ou de vendeurs, comment dire, partenaires, mais il y en a sur Amazon, hein. Moi, j'ai un lutin A3 qui me provient de chez Amazon qui m'a coûté 6 euros. Bon, il n'y a que 20 pochettes. Ça fait quand même 40 vues. Donc, 40 vues, c'est pas mal, hein? Et j'ai un lutin toujours de chez Amazon en format A2 carrément. Il est top. Et c'est dans celui-là que je vais mettre en couverture. Vous savez, sur la couverture, vous avez une pochette plastique pour pouvoir glisser ce que vous voulez, une illustration, une peinture, un dessin, ce que vous voulez, quoi. Ou un DP même, hein? Et moi, je vais y mettre. Une de mes toiles cristal pour décorer. Voilà. Voilà. Et puis de GBFKE, j'attends des petits objets à diamanter. Je crois que c'est Julie qui m'a convaincue, Julie XB qui m'a convaincue de prendre les petites boîtes à crayons à diamanter. Elles sont vraiment pas mal. Il y a deux compartiments dedans. Je vous montrerai aussi quand ça arrive. Ah bah voilà quoi, j'ai pas fini, hein, j'ai pas fini, il y a du taf, Céline, il y a beaucoup de taf. Ouais, bah écoutez, je vais vous laisser, je vais continuer mon petit carré, après je vais aller manger un morceau.
Et après, il faut retourner au boulot. Voilà. Et je travaille dans un collège, moi aussi. C'est pour ça que j'étais en vacances avec les enfants. Je travaille pas dans le collège de mes fils, hein, mais je travaille dans un collège. Je travaille avec les enfants qui ont des difficultés d'apprentissage et qui ont besoin d'être accompagnés à l'école. Je suis AESH en fait, donc AVS hein, pour les anciens. Et je travaille dans un dispositif Ulysse parce qu'on a un dispositif Ulysse dans l'établissement où je travaille. Et enfin, j'ai une part de mes heures dans le dispositif Ulysse et une part de mes heures en direct avec les gamins qui sont notifiés d'une AVS. Donc voilà. Et donc cet après-midi, j'y retourne avec mes petits sixièmes et mes moins petits troisièmes. Voilà. Bon, bah écoutez, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Et puis, je vous dis à très vite pour la suite des aventures de Miss Purple. J'aime bien ce surnom que Charlotte m'a donné, Miss Purple. Ouais, parce que le violet, moi, c'est quelque chose, hein. C'est Purple Gold, en fait, hein, parce que violet et doré, apparemment, ça marche bien aussi le doré chez moi. Voilà. Ah, mais oui, en parlant de doré, du coup, j'ai pensé à la pince dorée de chez AZQSD. Mince, ça me fait penser que j'ai commandé deux pinces personnalisées. Je vous montrerai ça, je vous en dis pas plus. Elles vont être canon. Bah, elles sont canon, je les ai vues. Hein, le gars, il m'a envoyé une vidéo avant de les poster. Pouh, loulouloulou. Beauté. Comme je travaille pas mal à la pince, hein, comme vous pouvez peut-être le voir, si vous êtes toujours dans le champ. Oui, vous êtes dans le champ. Là, je vais avoir des pinces du coup un peu plus épaisses à tenir. Je pense que ce sera pas mal parce que là, ça me coupe pas mal au niveau du doigt. Vous voyez? Et voilà, on va voir. On va voir ça. Mais en tout cas, elles seront magnifiques. Déjà, ça, c'est une certitude. Allez, je vous redis au revoir pour de bon. Très, très bon après-midi à tous. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bye bye!